J'ai même pas le temps de dire cette phrase qu'il a déjà résolu un Rubik's Cube. Excuse-nous, Max Park, c'est lui, il a battu le record du monde avec un Rubik's Cube terminé en 3 secondes 134 millièmes, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps de prépa que de réalisation, très bien. L'ancien record était de 3 secondes 47, réalisé par Yongsheng Du, petit joueur. Bon après, Max Park, c'est déjà pas un manche du Rubik's Cube, puisqu'il est considéré comme le meilleur joueur du monde, tout simplement. Il détient déjà les meilleurs temps pour des Rubik's Cube plus gros, là il vient de prendre le record pour le Rubik's Cube classique, d'ailleurs il a aussi le record à une seule main. Comme si ça suffisait pas. Et la prochaine étape, bah, c'est le petit cube avec seulement 4 carrés par face, contre 9 pour le normal. Après, il a un peu de boulot quand même, parce que son meilleur temps perso, c'est 2 secondes 88. Et le record du monde, il est à 4 dixièmes. Ouais, 4 dixièmes.